TPMP. Il explique que Elle, animateur de Elle, a contact pour obtenir des conseils sur Elle, électrostimulation, un médium que Hugo Mano connaît bien puisqu'il est un professionnel de ce secteur. Ils se rencontrent et le courant passe assez bien pour que Laurent Ruquier invite son futur amoureux à un dîner le lendemain. Hugo Manoel assume, dès le départ, il y a eu flirt entre eux. Et c'est, et le lendemain de leur rencontre, qu'ils, elles, ont officialisé. Je le trouve brillant. Je, elle, aime bien. Bon week-end. Absolute Chic Maitresse, 2022. Mais le grand public ne sait rien de cette relation, jusqu'à ce que le beau gosse publie une série de TikTok avec son amoureuse. Au jour, oui, leur relation est si stable et belle qu'ils envisagent la paternité. C'est, et du moins ce que dit Hugo Mano pour tel loisir, nous en avons déjà parlé, mais je ne pense pas que ce soit un souhait viscéral. Moi, c'est, et quelque chose que je pourrais envisager. J, approche de la quarantaine et je me dis que je pourrais offrir de belles valeurs à un petit être. Je pense que je pourrais être un bon père et Laurent aussi. Se aime, et pas exclu mais se aime, et pas une certitude. Elle, un des nombreux sujets évoqués par les chroniqueurs de TPMP People a logiquement été elle, Eurovision. France a terminé avant-dernière de la compétition, juste après avoir brillé lors de Elle, édition précédente en terminant à la deuxième place. Le groupe Bretonnen n'a pas convaincu les autres pays, ni le public. Une publication partagée par Hugo Mano, de quoi agacer de nombreux internautes qui y voient un vote purement politique et en aucun cas artistique ou musical. Hugo Mano est sans doute reste attentif aux résultats de la France, avant le concours, c'est, et pour la Grèce, il milite. La chanteuse Amanda Georgiadis Tenfjord a fait mieux que la France avec sa chanson dite Together puisque elle a réussi à atteindre la 8e place. Tout excite avant la diffusion de Elle, émission, Hugo Manoen, a pas hésité à venir chez TPMP People avec un drapeau de la Grèce. De quoi surprendre Elle, animateur qui ignorait totalement les origines de son chroniqueur. Ambition des, AM et de Elle, ancien collègue de Benoît sur NRJ 12 sont clairs. S, il aime vraiment être chroniqueur sur Touche pas à mon poste. Vite, il impose comme un chroniqueur incontournable et indispensable. Ses coups de gueule et ses coups de ses droits d'auteur urbourdonnent, et le jeu qu'il joue avec Elle, animateur vedette de C8, est une grande partie du succès de Elle, émission. Merci d'avoir suivi Croisillon TPMP. On se retrouve demain avec @SyriHanouna. pic.twitter.com/g4gzlkd7wx. TPMP May 16, 2022. La chaîne a confiance en lui et lui confie un nouveau affiché. Personne TPMP. Mais comme pour Touche pas à mon sport, Elle, émission est annulée au bout de quelques mois. Finalement, Mathieu Delormeau quitte la chaîne TPMP pour une saison. Il aurait très mal vécu Elle, arrêt de son émission. Est-elle, heure des questions pour lui. Il est finalement revenu un an plus tard et a réussi, au bout de plusieurs mois, à convaincre Cyril Hanouna de relancer Elle, Aventure People de TPMP, tous les samedis. Elle, ADN du spectacle parents et respecte. Les chroniqueurs de TPMP sont invités à raconter des anecdotes intimes et personnelles. Ils n'hésitent pas à critiquer, à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Diana Jones, une invitée récente de Elle, émission, n'a pas hésité à parler de son colossal salaire après avoir participé au tournage de Temptation Island. Il sait
Il faut créer un buzz pour faire monter les codes des écoutes et la notoriété de sa personne, car il sait aussi la chance qu'il a d'animer cette émission.